Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Sherpa et du Better West, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs pour vous donner les infos là sur MU et très du même. Et voilà Aïcha Kamoaz. Hein? Flavien Tchatat cherche à faire Aïcha Kamoaz ce que Marie-Paul Adjé a fait à Observateur. Donc, Flavien Tchatat a envie d'observer Aïcha Kamoaz. Aïcha Kamoaz est recherchée au Cameroun. Elle est recherchée. Flavien Tchatat a déposé une plainte pour diffamation et incitation à la haine. Là où Aïcha Kamoaz soit, elle dit que celle-ci n'a pas encore porté plainte à qui? Elle porte plainte à tout le monde. Tu n'as pas porté plainte à Muriel Blanche pour t'avoir arraché par que pomme. Flavien Tchatat. Tu as venu dire que c'est diffamation, machin truc. Toi, mais tu es sorti sur la toile et pleurer ton par que pomme. Que Mu a arraché. Oui. Que Mu a arraché ton gars. Oui. Cette femme-ci. On va dire que. Non. Mu a arraché par que pomme. On va faire comment? Elle est sortie pleurer sur la toile, sur le méta. Oh, oh, oh. On a fait ceci. Elle parle comment? C'est elle qui négocie. Vous savez, vous connaissez la série, les premières séries de Pâques Pomme qui chauffait le temps, la Reine Blanche. Elle n'avait pas encore fait truc, hein, machin là. Ni Madame Monsieur, ni la bataille des chéris là. Pâques Pomme n'avait pas encore fait cette série là. Cercle vicieux, foyer polygamique, reine blanche, oui, les trucs comme ça là. C'est ce que Pâques Pomme a fait le temps. Ce qui chauffait en ce moment-là, c'était reine blanche. Oui, Flavien Tchatat joue dedans. C'est là où Flavien Tchatat dit que les contrats publicitaires qui apparaissaient dans Reine Blanche, c'est elle qui avait négocié. C'est elle qui négociait. Donc, elle faisait tout pour Pâques Pomme, par amour. C'est là où Pâques Pomme est parti. Maintenant, dragué. Il est tombé sur Mumu. Il a d'abord vu la série Pâques. C'est là où Mumu s'est dévoilé, hein, au public, au grand public, par la série Pâques. Avec Marcel Kouetche, notre côté, Lina la jolie, la belle. Oui, vous savez qui est Coutelina la bête, non? Ok. Avec Coutelina la jolie, vous savez la série Pâques. C'est là où j'étais encore fan de ma Mumu. Hein. Je disais, même comme j'avais tué un léger penchant vers la beauté de Marcel Kouetche. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien le go comme Muriel Blanche était le temps là, pas maintenant. Le temps était slimé là, grande de taille là, bien là, c'est le genre là, c'est mon goût. C'est mon goût. Maintenant, là, elle n'est plus mon goût. Sans vous mentir. Maintenant, je la murmure. Elle me dit rien. Je ne sais pas. Elle ne fait pas vibrer. Quand tu regardes une go, non, tu as dit non, la go, c'est. Quand tu regardes, par exemple, Samantha et Dima. Ma carrière, Samantha et Dima, elle dit non, cette go me fait, oui. Ou bien Stéphanelle. Oui, cette go me fait effet. Vous comprenez, non? Tu as une Fatou. Tu dis oui, elle me fait effet. Maintenant, Mu ne me fait même pas effet maintenant. Ah, Papa Nawam Nixbet, elle fait effet à Papa Nawam Nixbet, donc, on va faire comment? Moi, elle ne me fait pas effet actuellement, là. Je peux faire avant, là. C'était ma juju, mon frère. Hey. Avant, là, c'était ma croche. Après, là, commencer à prendre le poids, et si elle fait comme ça, le truc, c'est devenu... Ah, elle est sortie de ma ligue. Ouais. Donc, ce qui fait que Mamu est entrée en scène. Elle est venue comme le tournesse. Elle est venue prendre Pâques Pomme. Pâques Pomme. Pomme a balancé Flavien Tchatat de côté. Viens dire là que c'est diffamation, que tu vas aussi m'envoyer une plainte. Je vais te sortir les captures de vidéo. Toi-même, tu sortais, tu pleurais. Tu te plaignais. C'est toi-même. Quand ça vient nous retrouver sur la toile, on va sauf que parler. Hein, Flavien Tchatat. S'il te plaît. Et moi, je t'ai dû apprécier. La fille, c'est une très bonne actrice. Et une jolie fille d'ailleurs. Elle est très belle, oui, c'est une belle femme. Là, on ne peut même pas l'enlever, ça. C'est une belle femme. Le problème, c'est que le temps, là, Muriel Blanche est venue en force seulement. Non, c'était le nouveau produit.
Pas que pour m'avoir vu le nouveau projet, j'ai dit, merde, c'est comme ça. Oui, on va faire comment? On va faire comment? Et c'est ça même qui a fini avec la carrière de cette fille, de Flavien Tchatat. Parce qu'après, elle a fait des trucs, elle a travaillé avec Aimé Vigile, Marco Goum, elle a travaillé avec certaines personnes, elle a même travaillé à son propre compte et tout et tout. Mais je n'ai pas vu vraiment l'évolution. Je me dis que si elle était avec Parc Pomme, elle avait bien voulu être comme au niveau où les Amy Dany et les Muriel Blanche sont là aujourd'hui. Pourtant, elle est meilleure actrice que Muriel Blanche. C'est mon point de vue. Elle est meilleure actrice que Muriel Blanche. Oui. Ouais. Le problème, c'est que, bon, Muriel Blanche livrait mieux le piment qu'elle. On va faire comment? Et ça, le cinéma camerounais. Hein, la famille. Ouais, c'est ça. Donc, elle a porté plainte à Aïcha Kamara. Aïcha Kamara dit que non, je rentre au pays. Je le trouvais là. Que tu filmes la plainte, tu montres, ça ne veut pas dire que je suis coupable. Hein. Ouais, ça ne veut pas dire que tu as fait la plainte. Ok, c'est bon, je rentre te trouver là-bas. Tu ne veux pas rentrer au Cameroun. C'est là où elle a investi. Là où elle est en train de construire son immeuble. Donc, mon frère, elle rentre sauf que suivre son business et toutes ses affaires. Elle ne va pas fuir le Cameroun à cause d'une plainte. Ouais, mais jusque-là, tu dis souvent, Aïcha Kamara, tu dis souvent que quand une affaire vient nous retrouver sur la toile, on a le droit, l'obligation même de donner notre avis. Toi-même, tu n'attends même pas que ça vienne. Ces derniers temps, tu n'attends même pas que ça vienne nous retrouver sur la toile. Toi-même, on t'envoie les choses inbox, toi-même, tu publies. C'est là où tu es en train de dégamer, Aïcha. Tu es en train de dégamer. On t'envoie les trucs inbox, tu viens publier. C'est pas sur la toile. Je suis parti filmer les mouroutés, j'ai les mouroutés avec quelqu'un, je t'envoie inbox. Je n'ai pas mis ça sur la toile. Je t'envoie ça dans ton téléphone. Et toi, tu prends, tu publies. C'est toi qui amènes ça sur la toile. Ou bien, je mens la famille. En tout cas, on est là, non? On va voir comment l'affaire s'y va se. N'est-ce pas? Marie-Paul Adjia a ouvert la route pour tout le monde. Maintenant, tout le monde veut se marier. Même Emile Dany Basson a dit que non. Je veux faire comme Marie-Paul. Maintenant, elle veut seulement les enfermer. C'est comme ça. Ok. Vous a montré les armes. Vous a montré la route. Ok. On attend. On est assis. On prend la chaise. On s'assoit avec les pop-corn. On attend. On regarde comment le coma assis va se passer. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa pointe. Et surtout, ne mettez pas les organes.